Bonjour, nous sommes réunis pour le Jury Film 2018. Nous allons présenter, diffuser 7 courts-métrages de nos étudiants futurs diplômés au sein de ce cinéma. Un jury composé de 4 professionnels de l'industrie va avoir la lourde tâche d'élire le grand prix du jury. La journée va se terminer, bien sûr, de manière très conviviale. Autour d'un cocktail, nous nous serons tous réunis. Un peu comme les années précédentes, il y a un super travail qui a été fait. Au-delà du travail et de l'image et des images qui sont sorties du travail des étudiants, moi, ce que je garde en tête, c'est le plaisir, l'énergie. I thought they were really great. I thought they were like really impressive. Like the quality from students these days is just amazing. And I think, especially from French schools, they're really just stepping up the game. Every year, I see some films, and they're just incredible. J'ai trouvé que les films projetés aujourd'hui étaient de grande qualité, tant visuel que sonore. Je trouve qu'il y a peu de formations qui proposent d'être aussi performants sur les deux sujets, les deux tableaux. J'ai trouvé que dans l'ensemble, la qualité était très très bonne, les présentations étaient très très bien faites, l'organisation en règle générale, faite par les arts digitales, était impeccable. Alors j'ai eu beaucoup d'affection pour le film Mice, aussi bien pour sa narration, pour le clin d'œil évident à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il y a une finesse dans le détail final qui est assez impressionnante. Même s'ils ont repris une histoire que tout le monde connaît, ils ont réussi à la remanier de telle manière à ce que ce soit marrant, ce soit intelligent. La qualité même de la réalisation, pour moi, était phénoménale. Alors j'ai aimé Tentatrice, mais ça a beaucoup à voir avec le design, la simplicité des personnages, le graphisme, les couleurs. La Tentatrice était très belle, avec une peau un peu en porcelaine, un peu diaphane, avec des éclairages. Enfin, vraiment, c'était très léché, très beau, très professionnel en fait. The mood was pretty, the lighting was perfect. The music was actually very impressive and overall the film was very soft. Je pense à Un amour de bête qui par exemple était très intéressant d'un point de vue du Mickey Mousing, de la synchronisation à l'image. Il y a un travail aussi sur la totalité de ce qu'est un film d'animation, parce qu'un film d'animation c'est pas que l'animation des personnages mais c'est aussi la mise en couleur, d'autres étapes qui sont moins connues comme les squelettes d'animation, le rig, les expressions faciales et ce film là sur tous ces aspects il atteint un niveau attendu pour être un professionnel accompli après. Rewind a été vraiment un film qui m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé le graphisme et surtout, étant dans les VFX, j'ai vraiment apprécié le dur travail qu'ils ont fait par rapport à la reconstruction de la ville. I think it's always important to come and see that what students are doing, the talent that's being produced at the moment and people graduating now. You know, we need to try and find as much talent as possible because we do need the people and we're here because we're recruiting, you know, potential projects that we have now and upcoming. So I think it's important that we come and check out and see what they have. Aujourd'hui, moi, je suis là pour chercher des talents et aussi pour revoir des étudiants qu'on a déjà croisés dans notre studio, Micros Animation, dans lequel on fait des films comme Astérix, Sherlock Gnomes. Là, on va travailler bientôt sur un Bob l'éponge, donc des films de long métrage. On prend souvent des étudiants d'Isart et on essaie de les accompagner pendant leurs études, ce qui nous permet de les connaître avant la sortie. Ça leur permet aussi de connaître notre univers de travail, de préciser un petit peu ce qu'ils veulent faire, donc on essaie de leur donner un peu de mobilité dans le studio dans ces moments-là. I mean, we always enjoy coming here and just meeting the new talent and seeing their ideas and seeing how they're progressing, you know, from year to year and the differences. You know, they're so talented, I think, individually in different ways, and to meet people and to actually hear from them themselves as well, I think, is really great. So it's not only just seeing the films, but actually meeting them as well. Cette année, donc, nous avons deux personnes qui sont au artwork et je trouve que l'alternance est quelque chose qui est éclairant pour tous, c'est-à-dire qu'ils sont sur place, ils sont au contact des professionnels, ils sont dans la réalité d'un studio, d'une série ou d'un long métrage, peu importe sur lequel projet il est. Et je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir mis ça en route. Ouais. C'est vrai que le point fort d'Isart Digital, c'est ouais, l'alternance. L'étudiant sera toujours exposé à des conseils de professionnels. Durant tout au long de sa scolarité, il va avoir l'avis de professionnel, il va vraiment comprendre comment en fait, un professionnel travaille. Donc je pense que c'est vraiment là où Isart en fait, est visionnaire, quelque part. C'est le fait de toujours continuer en fait, à faire de l'alternance avec les élèves, produire d'aussi de projets, de courts-métrages d'aussi bonne qualité, fait que quand même Isart est exceptionnel, il faut le dire.